y a des moments dans le foot que tu fais bien, mais ça n'arrive pas. Il y a des moments que tu joues mal, mais tu gagnes. Le foot, c'est comme ça, mais je pense que si on continue à travailler comme on a fait dernièrement, on va quand même gagner des matchs, on va se faire plaisir. On a joué plus d'une mi-temps à 10 contre 11, c'est jamais facile de jouer à 10 contre 11. On doit faire plus d'efforts, c'est plus fatigant. Lausanne, quand il faisait tourner le ballon, bah c'était, il fallait faire plus d'efforts. Et je pense que malgré tout, bah on a, sur cette deuxième mi-temps, on a amené beaucoup de choses, on a mis du danger devant Lausanne. Et si on l'avait fait dès le début du match, bah ça aurait été beaucoup plus positif pour nous, beaucoup mieux, beaucoup plus. On aurait pu ramener quelque chose de plus aujourd'hui parce que. On est chez nous, il faut mettre plus de pression, il faut avoir plus d'ambition, je pense, dans le jeu. Malheureusement, il a fallu qu'on soit à 10 pour donner tout ça et c'est dommage de perdre 3 points aujourd'hui. È stata meriti. Complimenti al mister e a Lausanne. Tout d'abord, j'ai envie de féliciter Monsieur Rousset et Lausanne. Excusez-moi aussi pour ma voix, on voit que je ne suis pas encore un expert. Sur la partie, nous l'avons préparée d'une certaine façon et le mystère a raison lorsqu'il dit que Lausanne a eu l'avantage de marquer en premier. Je pense que mon équipe a présenté du bon football, avec un bon état d'esprit et que l'on n'a pas vu qu'on jouait à 10 contre 11. Un bon calcio, un bon spirit. 10 contre 11 non si è visto. Sicuramente è un periodo non positivo per noi. C'est sûr que ce n'est pas une période positive pour nous. J'ai néanmoins félicité mon équipe après le match en lui disant de continuer sur cette voie avec cet esprit. Mais dans le foot, c'est sûr, ce sont les 3 points qui sont le plus important. Maintenant, c'est comme ça. Je ne peux rien reprocher à mon équipe aujourd'hui.